Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment gérer les problèmes qui peuvent survenir lors d'une communication utilisant le protocole TCP entre un serveur et un client. Alors le but c'est de faire communiquer donc client et serveur et surtout sans plantage. Donc on utilise TCP. Alors dans un premier temps on va bien identifier les situations qui peuvent être problématiques au niveau de la communication et après ensuite on va regarder comment gérer ces situations sans plantage. Alors, on va partir de notre exemple initial. Donc, je démarre Tony. Voilà, donc là, on a le client et je démarre le serveur. Voilà, on met le serveur d'un côté. Voilà, hop, je redimensionne et le client de l'autre. Donc là, bon, pour commencer, on va donc faire fonctionner ce programme. Voilà, le serveur est lancé, il attend un client. Et quand on démarre le client, il cherche à communiquer avec le serveur, il se connecte. Ensuite, on saisit un message, par exemple coucou. Hop, le message est envoyé. Le serveur envoie combien il a reçu d'octets et il écrit c'est fini. Donc, ça, c'est la situation initiale où tout va bien. Le serveur est en attente, le client fonctionne bien, le client envoie les infos, etc. Donc maintenant, nous, ce qu'on va regarder, c'est d'autres situations, des situations où il y a justement bah, des problèmes qui surviennent. Donc on va regarder ça. Alors là, on va partir de la situation suivante. On démarre le serveur, on démarre le client, donc qui se connecte directement avec notre serveur. Et à ce stade, plutôt que d'envoyer un message, on va arrêter le client. C'est-à-dire que le client, il a établi une connexion avec le serveur, et plutôt que de la refermer, comment dire, proprement, il arrête tout. Donc là, au niveau du client, bah voilà, le programme, il est stoppé, tout va bien. Par contre, au niveau du serveur, bah, on a un plantage. Donc voilà, on nous dit qu'il y a une erreur à la ligne 11, donc sur la réception de données. Donc voilà, le serveur, il est bloqué à cet endroit-là, et comme le client qui a établi une connexion, il s'arrête. Donc on a une exception qui est lancée qui s'appelle Connection Reset Error et qui plante. Donc là on va regarder une autre notion, une autre version, excusez-moi, de ce programme où on va donc sur le RECV, là, sur la réception de données, on va gérer donc Connection Reset Error. Donc là je ferme cette version de ce serveur et on va avoir un serveur donc. Voilà, donc là c'est exactement la même version, hein, sauf que en ligne 11, là, sur la réception de données, on va faire un try. Et si on a un Connection Reset Error qui est rencontré, on va mettre un message et on va reboucler pour attendre un autre client. C'est-à-dire que le serveur, normalement, il ne devrait plus planter. Donc on va faire le petit essai, on attend un client, le client il démarre. Donc coucou, donc là tout va bien, le client on le relance une fois, et ici voilà le client il s'arrête. Donc là on voit que côté serveur, la connexion, on a le message, connexion abandonnée par le serveur, on nous donne le code d'erreur, et voilà. Et surtout le serveur il se remet en attente. C'est-à-dire que maintenant, si on relance un client, voilà, il peut à nouveau communiquer avec le serveur. Donc là on a géré un premier type de problème, donc une interruption de la communication par le client. Alors maintenant, on va regarder une autre situation. Donc c'est la situation où voilà, on fait un stop, le serveur est arrêté et où on va essayer de démarrer un client sans serveur. Donc le client, il essaye de démarrer et d'un seul coup, donc il y a au bout d'un certain temps, hein, donc au bout du timeout, quand il est, voilà, quand ce temps est écoulé, bah, le serveur, donc le client, pardon, excusez-moi, il plante à ce niveau-là. Donc c'est en ligne numéro 4, c'est au niveau du connect. Il essaie de se connecter à un serveur. On a l'exception Connection Refuse Error, donc qui est lancée, qui fait planter le programme. Donc pour pouvoir gérer ce problème-là, il va falloir que on gère l'exception qui est éventuellement générée par le connect, pour éviter que notre programme plante. Alors, avant de regarder la version améliorée, on va regarder un deuxième type de problème qui peut arriver pour notre client. Donc, on démarre le serveur, attendant le client, on démarre notre client, voilà,
Et le client, donc ici, on est en saisie de message. Avant de faire son send, on va dire que côté serveur, on s'arrête. Donc là, on D'accord. arrête le serveur. Il n'y a plus de serveur. C'est-à-dire que le client qui a initié sa connexion, quand il va essayer d'envoyer son message, bah, ça ne va pas fonctionner. Donc là, boum, on se retrouve à nouveau avec un plantage de notre programme et on nous dit qu'il y a un connection reset error qui est produit à la ligne 11, donc lors du send, par notre client. Donc il va falloir qu'on gère également à ce niveau-là, il va falloir qu'on attrape l'exception pour pouvoir continuer, faire continuer à fonctionner notre client sans plantage. Alors, je ferme le client et on va regarder une version améliorée où on a gestion des exceptions. Alors, donc la seule différence par rapport à tout à l'heure, c'est que le connect, on l'a mis dans un try, et si on rencontre une connection refused error, on écrit que la connexion elle est refusée et on exit ici. Donc on ne va pas planter, on va s'arrêter. Voilà, il n'y a aucun serveur qui répond. Par exemple, là c'est le cas, le serveur il n'est pas démarré. Si on envoie, voilà, si on démarre notre code, voilà, on a un message, donc voilà, qui est fait par ce print ici. Et donc le processus il se termine avec le code 1 donc qui est ici. Donc notre programme on l'a arrêté proprement et il n'a pas planté. Alors après si on va un petit peu plus loin dans le code, au niveau de lorsqu'on cherche à voilà la connexion si elle est bien établie, si on cherche à envoyer les données et recevoir le nombre d'octets, bah, s'il y a un problème ici, on a aussi un connection reset error qui est une exception qui est là, donc qui correspond au serveur qui démarre. On attend le client. Ici, on démarre notre client. Là, il va envoyer son message, mais avant de faire, voilà, on est en ligne 15 ici. Bah, ici, on arrête le serveur. Et si on envoie si on envoie le message, bah, toc, on tombe. Donc il y a cette exception qui est lancée. On l'attrape ici et donc on a le message connexion abandonnée par le serveur. Donc là, on exécute ça et on saute à la fin en disant c'est fini. Donc là, on est arrivé à pas planter également lors de ce souci. Donc pour la forme, on refait. Voilà, on refait un petit, par exemple, je sais pas, c'est beau la vie. Hop, donc ça c'est le fonctionnement attendu quand il n'y a pas de souci de connexion. Alors pour conclure, donc on a géré les situations problématiques en attrapant les différentes exceptions hein, qui peuvent arriver lors d'une connexion TCP client-serveur. Donc plus précisément, donc côté serveur, si la communication elle est interrompue par le client grâce à ce try, on évite que ça plante. Et côté client, si le serveur, on n'arrive pas à le connecter, à se connecter, c'est géré à ce niveau-là avec le try. Et si on a un souci d'interruption de connexion par le serveur lors de l'envoi de données, bah, ici on attrape aussi l'exception et donc on réussit à arrêter le programme sans qu'il plante. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention et à bientôt. Au revoir.